Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Kickface. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le jeu Geopolitical Simulator 4. Donc dans cette vidéo où on incarne Alain Juppé et les opposants politiques à Flambie. Donc je vous rappelle ce qui s'est passé dans la dernière vidéo. Toute l'Europe est rentrée en guerre. Bon, comme dans les précédentes, hein. Le Maroc, d'après le journal, le Maroc serait sur le point de capituler. On a, je crois, un poil augmenté dans les sondages. Bon, Flambie aussi, bon, c'est pas grave ça. Et surtout, le plus important, c'est que les primaires et la campagne présidentielle va bientôt commencer. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important de la dernière vidéo. Donc on va commencer de suite. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a, le 13? Qu'est-ce qui s'est passé? Un séisme meurtrier en Sonora. Ok, un terrible séisme le 10 sur l'échelle de Richter s'est produit jeudi après-midi en Sonora. Ah oui, tant que j'y pense, donc ça pour l'instant on s'en fout je crois. Ouais. On s'en fout. Ah non, il parle de mon adultère avec, avec Julie Gaillet. Adultère chez les Alain, que Juppé Alain se rassure, ça arrive à des gens très bien d'être cocu. Mais ça, je crois qu'il y a encore mon jeu, il bug un peu. Ou je sais pas si ça vous le fait aussi à vous. Des fois j'ai des petits bugs. Bah, on m'a dit aussi que. J'ai certaines villes du Maroc, alors je suis pas spécialiste de la géographie marocaine, mais certains d'entre vous m'ont dit qu'il y avait des villes qui étaient mal placées. Alors je crois que c'est mon jeu qui bug. Je l'ai pas désinstallé et réinstallé, j'avais peur de sa perte de sauvegarde. Une fois ça, je l'ai laissé comme ça. Bon, j'essaierai de faire gaffe, ou n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les villes qui ont été modifiées. Oui, qu'est-ce qu'on m'a dit? Oui, on m'avait dit aussi de corrompre, essayer de faire perdre un ministre à Flambie. D'essayer de Emmanuel Macron ou un autre personne de son entourage. Donc là, on va juste regarder le message avant. Alors, la campagne électorale vient officiellement de débuter. Tous les candidats sont désormais connus, donc ça c'est cool. Je ne saurais trop vous conseiller d'établir rapidement votre programme électoral et de participer activement à la campagne. Je vous rappelle que ce programme doit incorporer les promesses que vous avez faites à certaines personnalités, sinon celles-ci risquent de ne pas voter pour vous. Citons notamment le milliardaire de droite, le dirigeant de l'Union syndicale de la police et le dirigeant du syndicat fédéral du patronat. Concernant vos promesses de campagne, je vous recommande d'en garder quelques-unes de bien populaires pour ne les dévoiler que lors du débat TV. Ok, donc là on va rentrer en pleine campagne. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais d'abord faire... comment ça s'appelle ? Les promesses de campagne. Donc je vais mettre quelques-unes, ce que j'avais promis, au, ce qu'il m'a dit là, au patronat, etc. Et ensuite, dans les commentaires, vous avez que me dire ce que vous voudrez qu'on mette dans les promesses de campagne. Donc on va les découvrir ensemble. Je m'en fous. Pourquoi tu veux que je fasse des... un meeting... Ah d'accord, ils veulent que je fasse un meeting. Ok. Un meeting rayonnera avant tout sur l'électorat de la région où il se tient. Le choix du lieu doit donc faire l'objet d'une longue réflexion en fonction des intérêts et des influences politiques de chaque région. D'accord. Moi je suis de droite, donc je vais, je pense, aller vers chez moi. Donc je vais aller en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Alors j'ai combien? J'ai 13 946 236 euros. D'accord, donc je préfère faire dans une salle de théâtre, une salle de spectacle ou un complexe sportif qui me coûterait 2 millions d'euros. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un truc moyen, une salle de spectacle, ça devrait déjà pas être mal, c'est un bon compromis entre la salle de théâtre et le complexe sportif. Donc juste pour voir un peu combien de personnes on va attirer. Donc on va accepter. Je vais le mettre un jour. On est encore en février 2017. Donc je vais le mettre un lundi. Je vais mettre un samedi. Ça me laissera bien le temps de le faire. Donc je vais faire une promesse pour la police. Il me semble que c'était augmenter leur effectif. Par contre, je ne me rappelle plus du tout parce que ça remonte à pas mal de vidéos. Je crois que c'était l'augmentation des effectifs. Oh, ouais, l'augmentation des effectifs. Je vais mettre ça. Ok. Donc je vais monter de 10 000, ouais c'est pas mal déjà. Promesse de campagne, tac. Au pire, on n'est pas obligé de les tenir. Hein. Donc les candidats, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a toujours ceux-là, ok. D'accord, ok, ça marche. Popularité programmée, ok, programme. Alors, on va faire une autre promesse de campagne. Merde, je m'en rappelle plus. Il m'a dit les polices, la police, les syndicats de police. Et je me rappelle plus du tout. Moi, je vais déjà choisir un pays, un endroit. Qu'est-ce qu'on va choisir? Je vais choisir. Non, c'est pas. Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre une salle de spectacle. Non, je vais prendre une salle de théâtre.
Je vais confirmer ça. Je vais le mettre là au dimanche. Et là, je vais faire sur la fiscalité. Il me semble que c'était non l'autre. Ouais, je crois que c'était la fiscalité. La fiscalité, on va baisser la TVA. On va être à 19. Parce que ça, je pense que ça va intéresser tout le monde. Promesse de campagne. Ok. Ça, c'est pas mal. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des idées de promesses de campagne, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans les commentaires. Au moins, on fera ça ensemble. Au moins, si on est élu, on sera élu ensemble. Si on perd, ben, vous perdrez tout seul. Non, je déconne. Non, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires pour me dire quelles promesses de campagne on voulait qu'on fasse. Si vous voulez qu'on approche des partis politiques, vous m'avez dit déjà au centre, pas le FN, mais plutôt le centre. Donc, si vous avez des idées plus du centre pour faire des promesses de campagne, n'hésitez surtout pas si on voulait qu'on prenne leur électorat. Ok, donc on va continuer pour l'instant. Donc, on a fait nos promesses de campagne. Qu'est-ce qu'on a ? On a que ça, que ces deux ongles là. Ok. Par exemple, tu vois, lui, je voulais bien prendre les voix de Bayrou, de lui aussi là. De longue faisant là. Machin. Ok, et on m'avait dit du coup que je devais. Comment il s'appelle voir l'autre là. Macron ou un autre membre du gouvernement. Putain, je sais pas là, à chaque fois je me gourre. Ouais, c'est là. Parti politique, gouvernement. Alors. Chef de cabinet, je m'en fous. Toi, je m'en fous. 84%. Mais lui, il est pas content envers moi. Ah, mon égard, ok. Ok. J'aimerais bien faire tomber le. Lui, il a 84%. Il a quoi, lui? Ah, d'accord, c'est cette personne candidate aux prochaines élections. Ok. Lui, 15-9, ça serait pas mal. De le faire tomber, je pense qu'il peut être corruptible. Et, ah, j'ai. Comment il s'appelle? J'ai Sarko qui a encore besoin de moi. Est-ce qu'on a un temps ou pas pour le programme? Non, on peut le faire quand on veut. Ok, ça, on pourra le voir ensemble alors, du coup. Pas fameux ton programme de campagne. Quoi? Même carrément mauvais. Il faut que tu revoies la copie. Sinon, on risque d'avoir de grosses désillusions avec notre électorat. Ok, tu me mets la pression un peu. Bon, alors je vais en faire quelques-unes de plus. Après, on verra vraiment ensemble, j'espère. Je sais pas si on peut les changer. Est-ce qu'on peut les changer? Ouais, on peut les changer, ok. Alors, salle de spectacle. Auvergne-Rhône-Alpes. Je choisis encore une date. Je vais le mettre encore un samedi là. Alors, les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? La fiscalité, ça j'ai déjà fait. Par police, j'ai déjà fait. Le travail, on va essayer de trouver du travail. Fixer la location verso des demandeurs d'emploi. Fixer la durée d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi. Non, ça. Ah, peut-être que fixer, peut-être que augmenter le temps de travail. Je suis pas sûr qu'ils soient contents parce que le 35 heures à 40 heures c'est pas un bon truc, mais pour les employeurs, peut-être baisser le taxe sur les grandes fortunes, enfin, 3 milliards quand même, faut pas déconner. Je vais juste un peu les baisser parce que la droite, normalement, c'est pour ceux qui ont un peu plus les moyens que ceux de la gauche. Normalement, même s'il y en a au gouvernement actuellement qui sont milliardaires, comme Fabius, etc., mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ça aussi. Je vais aussi, une dernière truc, je vais encore promettre une baisse des charges salariales pour pouvoir augmenter un peu l'emploi. Dans quoi je vais le faire? Languedoc-Roussillon, dans les grands machins. Ok. Non, je vais pas le faire là. Ok, bon, tant pis, on va le faire un milieu de semaine, on fera un mardi, voilà. Donc j'ai dit que j'allais baisser la fiscalité sur, aussi sur... les charges sociales salariées ou les charges sociales employeurs. Les charges sociales employeurs. Ok, ça fait mal au cul quand même. 4 milliards. Non, on va juste baisser comme ça. On va mettre 38. Non, je me suis gouré. 38,80. Coût budgétaire en milliards. Promesse de campagne. Moi, j'espère que ça va booster l'emploi. Comme un peu l'avancer, on va voir ce qu'est-ce qu'il veut me dire l'autre encore. Après, on verra avec vous pour l'immigration, etc. Si vous voulez,
Monsieur le président du parti, d'après INS, et avec 16% d'intention de vote, vous arrivez deuxième juste derrière Jean-Louis Arnault. J'ai que 16% de vote, sans déconner. Putain, ça c'est pas cool. Félicitations, ton programme de campagne est excellent et rassemble tout notre électorat. Ouais. Les votes ne devraient pas manquer de ce côté-là. Ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Donc pour l'instant, je vais laisser ces 4 là. Après, on verra vraiment ensemble pour voir. Pour ça, je vais essayer de pas trop avancer dans le jeu pour vous laisser le temps de mettre dans les commentaires ce que vous voulez. Ah, donc la loi est passée. C'était pourquoi déjà? La solidarité. Ok. Rendez-vous avec lui. Offre une coupe. Avec plaisir. Voilà qui s'appelle recevoir. Ok. Proposer une dessous de table. Ah, c'est quoi? Ok, c'est cool. 150 000. J'espère que tu vas te casser après. Merde. Merci, merci. Croyez bien que je n'oublierai pas cette petite largesse. Ok. C'est entendu. Oui. Bien compris le message. Allez, vas-y, barre-toi, fais tomber Flamby. Ça fera un adversaire à moins déjà. Ça serait cool. Alors, on m'a demandé de voir les victimes de guerre aussi. Donc, ils sont là. Ça c'est les pertes civiles marocaines, mais par contre j'ai pas accès aux pertes militaires. Donc je dis ça parce que y en a un parmi vous dans les commentaires qui m'a laissé ce message, il m'a demandé de mettre le nombre de morts durant les conflits, mais vu que je suis pas président, j'ai accès qu'à ça. Le président du Front de la France Souveraine, Martine Le Guen, fait partie de ses enfants des t-shirts. Quoi? Ah non, fait porter à ses enfants des t-shirts imprimés de sa photo, ingéniosité ou indécence. Ok, adultère chez l'Alien, comment faire confiance à un chef de l'État qui triche avec les liens sacrés du mariage? Vous espérez que Alain sera plus fidèle à la nation, s'interroge Aurélien Le Peigne, le chef de la communauté catholique. What? Ah, le ministre de l'Intérieur fait ses valises, ok. Parce que ça, c'est la corruption qui marche. J'ai dit qu'on devait pas trop avancer, moi comme un con, je fais marcheur rapide. Donc on va juste regarder un peu les conflits là. Alors, le Maroc attaque Taza, qui essaie de reprendre l'Espagne, il me semble. Ouais, il est... Ah non, même pas. Pourquoi c'est le Maroc alors qui attaque? C'est pas le Maroc qui attaque, c'est l'Espagne qui attaque Tanza plutôt. Ils sont plutôt mal partis. Bon, par contre, il y a la chasse espagnole là, je crois qu'elle va faire du gros dégât. Les Espagnols sont commencé à envahir, mais ils ont pas beaucoup de troupes, vous voyez, ils ont deux soldats. Par contre, là, les Marocains, je pense qu'ils vont prendre vraiment, vraiment cher. Parce que si vous vous rappelez bien, dans la dernière vidéo, ils étaient. Ouais, ils étaient 66 000, je crois, ils ont perdu quasiment 10 000 soldats. Encore. Ah cool. Sylvain Aupré, c'est pas Sylvain Aupré. Je sais à quel point la sécurité publique est une préoccupation forte de nos concitoyens. Je ne saurais transiger avec ce droit fondamental et je peux vous affirmer qu'elle restera une de mes priorités. Ok. Tout ça pour ça. Non, c'est plutôt cool. Alors. Là on est good, là il y a encore une lance-missile, encore une base ici. Ok. Là on en est où? Ils sont en train de se faire défoncer, les Espagnols. Brant, Ichen, Oujda. J'espère que je dis bien. Là il y a des forces espagnoles qui arrivent. À nouveau. Par contre j'ai pas pris de points dans les... dans les sondages en faisant mon petit discours, ça c'est dommage. Par contre, il reste que 56 jours avant les élections. Ah non, ils sont pas arrivés, ils ont juste fait aller-retour. Ah, le journal, on va voir s'ils sont prêts à déclarer, à admettre leur défaite ou pas. Alors, rapport service de l'état civil, estimation de 1146 civils tués au total dans le conflit contre le Maroc. Guerre contre le Maroc. Gerardo de la Napez, admis à l'hôpital militaire. Ayant confondu le câble de ses écouteurs avec celui de l'aspirateur, l'acteur populaire a subi une légère strangulation quand un soldat chargé du nettoyage... Un soldat ? Puis sur la commande de l'enrouleur. Un soldat qui s'occupe du nettoyage ? Ouais, je crois que c'est vraiment mon jeu, il bug avec les traductions. Parce que un soldat qui s'occupe du nettoyage, je suis pas sûr quand même. Dans l'état de choc, Gerardo de la Napez a dû quitter son affectation. Ah non, d'accord, ok, en fait il était engagé, ok. Sur ça, je comprenais pas. Ouais, oui, pas, ok. C'est moi qui comprenais pas en fait, autant pour moi. Alors,
Affaire Xavier Peignoir, la valse des juges. C'est qui toi déjà? Ah, c'est un chroniqueur, ok. Affaire Charles Fouquet, instruction terminée pour le juge Lino et le chef de la sécurité bientôt au tribunal. Putain, franchement, pour lui, ça va pas trop. Condamne la stratégie militaire du chef de l'État qui est une menace pour la sauvegarde du pays. Ouais. Ok. Et après, les autres, on s'en tape un peu. Ok, on va mettre play. Destitution de Boris Rinov. Boris Rinov a été abandonné le Kazakhstan, ce qui constitue. Oh, d'accord. Ah, le président du Kazakhstan a été viré à un coup de pied dans le cul. Ça fait mal. Et le Maroc, là. Rapport service de l'état civil. Estimation de 10 862 civils tués au total dans le conflit contre l'Allemagne. Ils ont perdu pas mal de civils. Ok. Là, on est toujours espagnol défense. Ouais, ils sont toujours défoncés. Mais bon, je crois qu'ils ont pas mal d'hommes là. On les voit pas. Boum, allez, les lance-missiles défoncés par la chasse américaine. Je sais pas du tout comment ça va se finir, si l'Espagne va bouffer le Maroc, si le roi du Maroc va être destitué ou je sais pas quoi. Parce que je pense, bien sûr. Ouais, il est tombé à 17%, ça fait vraiment mal. S'il va être destitué, si je me rappelle plus si dans celui-là on peut prendre juste un bout de territoire. Je m'en rappelle plus. Prendre lui, il est tombé à 31, je crois, t'es tombé à 31. Démission ministre. Ah ouais, on lui a fait mal au cul quand même. À 6,60 de moins, ça lui fait bien mal. Ok, là on est bon. Bon, même pas avancé quand même, parce que bon. Pour un peu la fin de ce conflit là. Élection présidentielle. Alors, attention, vous avez tenu des promesses en privé avec certaines personnalités, mais vous ne reprenez pas dans votre programme. Ces personnes risquent de ne pas vous soutenir à l'élection. Citons notamment le dirigeant de l'ennemi syndical de la police, le dirigeant du syndicat fédéral du patronat. Ah, attends. Ce truc, c'est que je me rappelle plus du tout. Ça remonte à 3 ou 4 épisodes. Donc, je me rappelle plus du tout, ce que je leur ai promis, moi. Putain, lui, je lui ai promis quoi au président de l'Alliance des démocrates du centre? Je crois que je me rappelle plus ce que j'aurais fait du tout. Bon, déjà, c'est pas mal. On va laisser ça comme ça. Je regarderai les autres vidéos pour savoir à peu près ce que j'aurais promis. C'est par Je le sais pas. pouvoir d'achat que l'économie se développe, car la consommation stimule la demande qui crée alors l'investissement. Nos concitoyens retrouveront le chemin des centres commerciaux, car je serai le garant de leur pouvoir d'achat. C'est sûr que quand normalement vous baissez la TVA, normalement ça encourage les gens à consommer. Et du coup, vous allez augmenter déjà d'une de votre PIB. Parce que les gens vont commencer à beaucoup consommer. Et du coup, si vous consommez, l'industrie va être relancée, l'agriculture va être relancée, etc. C'est sûr que si vous mettez une TVA à près de 25%, il n'y a personne qui va consommer. Ou du moins, ils vont descendre. Leur consommation va être réduite. Alors, les universités publiques sont dans les sondages qui indiquent les deux meilleurs candidats, monsieur le président du parti. Malheureusement, vous n'en faites pas partie. Oh le bâtard! De votre accord de la victoire à Jean-Louis Arnault puis à Daniel Bartou. Oh putain, il faut vraiment que je fasse des trucs de fou là. Sinon, on va être dans la merde. Alors, promesse de campagne. On va faire un complexe sportif en Bretagne là-bas. Je vais choisir la date encore. Je vais le faire mercredi. Donc là, je vais essayer de bourrer un peu avec grâce à votre aide là de la prochaine vidéo, vu que c'est bientôt fini celle-là. Donc le syndicat de police, syndicat de police, syndicat de police là. Ok. Ouah, 4% il est tombé le ministre de l'Intérieur. Oh, qu'est-ce qu'il a pris cher lui. 4% de popularité. Ouh, ça fait mal quand même. On va augmenter le salaire du coup. De toute façon, on peut mieux poser que ça. Déterminer le niveau de contrôle d'identité, on s'en fout. Ouais, on va augmenter. Une promesse de salaire, tac. Non, pas plus comme ça, déjà ça coûte assez cher. Voilà. L'autre c'était quoi? C'était à Bayrou, mais je sais pas qu'est-ce que je lui ai proposé à Bayrou. Guadeloupe, allez hop, on va le foutre en Guadeloupe. On va faire une petite salle de théâtre en Guadeloupe. On va le faire un samedi. Union Européenne, travail, transport. Putain, je me rappelle plus du tout ce que je lui ai proposé à Bayrou.
c'était quoi déjà? Je sais pas, c'était pas un truc de fiscalité aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Taxe sociale employeur. Ça, je l'ai baissé normalement. Impôt sur la société. Taxe sur le tabac, école fort, je m'en fous. Je crois que c'était taxe sur les sociétés, il me semble. Mais je suis pas sûr du tout. On va baisser un peu comme ça, ok. Ça marche, on va voir qu'est-ce qu'il va dire Sarko. Hop. Putain, c'est lui quoi, sans déconner. Ah, mais non, mais c'est un mec du PS. Ok, non, je crois que c'était un mec de droite. Popularité actuelle 81%. Et Bayrou là. Putain, on fait chier. Ah, excuse-moi, j'ai oublié de montrer ça là. 3185 civils tués, conflit contre les États-Unis pour le Maroc. Ok, on va voir la petite vidéo. La compétitivité de nos entreprises est la clé de notre croissance, et donc de l'emploi et de la richesse du pays. Je prendrai mes responsabilités afin que nous remportions cette bataille. Ok. Donc cette vidéo sera légèrement plus courte, elle fera que 22 minutes là. Parce que j'aimerais, je veux pas trop avancer pour que vous puissiez m'aider à voter, parce que j'en ai fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai fait 6 et je peux en faire que 15 max. Donc j'arrête la vidéo là. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des likes. Surtout, mettez des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme promesse de campagne. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Steam si vous le souhaitez, mon nom c'est Kickface. J'accepte tout le monde, y'a pas de soucis. Et allez, je vous dis ciao!